Sénégal, hein, parce que nous sommes un pays de basket. Mais ce qui a été déterminant, c'est surtout la volonté du chef de l'État, après la constitution de Dakar Arena, d'organiser une grande manifestation, une belle fête pour la jeunesse sénégalaise, en particulier pour la jeunesse africaine en général. Donc c'est le lieu également pour moi de remercier M. Matarba, le ministre des Sports, pour tout ce qu'il a fait pour le basket sénégalais. Ce dossier-là, il l'a géré des mains de maître dans la discrétion. Ça fait des mois qu'on travaille sur ce dossier-là. Et aujourd'hui, nous venons d'obtenir l'autorisation de M. le Président de la République. Donc je le félicite et je le remercie. Je dis maintenant, nous avons un double défi, le défi de l'organisation et le défi de la participation. Il ne reste pas beaucoup de temps. Bon, heureusement pour nous, nous avons les infrastructures nécessaires pour organiser. Nous avons les dorsales nécessaires, nous avons la salle, nous avons des sociétés de transport. Donc en termes d'organisation, nous n'avons pas d'inquiétude à se faire. Il y a également le défi de la participation, parce que comme vous le savez, il ne faut pas se leurrer. Quand le Sénégal organise à Dakar Amphi, c'est pour gagner. Donc voilà, aujourd'hui j'appelle tout le monde au travail autour de l'essentiel, à savoir de notre équipe nationale féminine. Donc je peux vous donner le coup. On vient d'obtenir l'autorisation donc d'organiser. Donc on n'a pas encore fait une évaluation exhaustive de la situation pour pouvoir vous donner un chiffre exact. Je pense qu'on a toujours bien organisé, on a toujours eu la satisfaction des pays participants et de la FIBA. Ça, c'est une réalité. Maintenant, l'organisation de cette année, je pense que c'est même la meilleure, compte tenu de la salle que nous disposons, Dakar Arena. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas d'inquiétude à se faire. Maintenant, je l'ai dit, pour la participation, on organise pour gagner. Il n'y a pas, à se cacher la face. Ce ne sera pas facile, je l'ai dit, il faut également le reconnaître. Parce qu'il y a de grands pays africains de basket, le Nigeria a une superbe équipe, le Mali a une grande équipe. Bon, maintenant, nous appelons le peuple sénégalais derrière son équipe nationale pour la gagner.